Il fait plus de 30 bonnes années que le MMM, vos partis, aujourd'hui dans l'opposition, peut réclamer une bonne réforme électorale. Je suis donc bien satisfait qu'il y ait, après plus de 30 bonnes années de combat pour la réforme électorale, nous en présence un white paper qui est prêt pour faire l'unanimité. Jamais, et Maurice Sénat, finit là, depuis l'indépendance, une pareille occasion pour réussir une bonne réforme électorale. Et quand on dit une bonne réforme électorale, on veut dire une réforme électorale dans l'intérêt du pays tout entier. On a montré mon camarade Paul Bérangé, il a depuis 30 ans qu'il était la guerre pour ça. Possiblement, sûrement 30 ans. Il a encore été fait, il m'a dit avant. Mais toujours le collègue fait pas de récit en 2005, tout le monde connaît, je ne fais pas de récit. Vous êtes allé là, pourtant, je suis là, pas de récit. Et moi, mon fier, et mon gars de courage, je n'ai pas tout le monde qui est d'accord à moi, vous voyez, des âges. Mais moi, tout le monde a conviction. Si une affaire est bonne pour le pays, ce n'est pas une question parti travail, c'est un même, des leaders sont d'accord, je ne pas du tout. Ni moi, ni lui, pas pareil. Toujours vous mettre l'intérêt pays avant de prendre qui l'intérêt. Et là, il y a des gens qui peuvent tirer l'avantage. Pour éviter qu'ils ont gagné la norme, les politiciens. Mais moi, je parle de mes convictions, je connais les bons pour le pays. Parce que nous devons rassembler autour de notre identité politique.